Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette partie, cette position est issue d'une partie jouée entre Shulton et Bodden en 1853. Donc c'est une très ancienne partie, elle n'en reste pas moins très instructive. Alors, c'est au noir à jouer, et on voit à nouveau que les pièces noires visent la position blanche, position du roi. Les deux ont fait le grand roc, mais les blancs aussi d'ailleurs visent sérieusement la position. Mais les noirs trouvent un mat en deux coups. Alors, trouvez-le, c'est pas très difficile. Donc, réfléchissez bien. Alors, la solution, c'est dame prend C3, échec. Un très beau sacrifice qui menace en plus de mettre la dame là, de capturer d'autres pièces, etc., protégée par le fou. Donc, c'est un très très beau sacrifice. Et après, B prend C3. Les noirs jouent fou A3. Un fou qui vient de loin et qui fait échec et mat. Il ne peut pas être pris, rien ne peut être interposé, il y a échec bien sûr, et les cases blanches sont couvertes par l'autre fou. Cette position illustre d'ailleurs bien la force que peuvent avoir deux fous, la paire de fous, parce qu'ils couvrent toutes les cases, enfin, toutes les couleurs, blanches et noires. Voilà, une belle combinaison de coups très ancienne. Alors, prochaine position dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.